Alors, l'ancien bouchon ici évitait la circulation. En fait, tu avais un problème avec la circulation ici. Quand tu appuies sur la durite, là, tu vois que ça circule. Là. Et en fait, vu que c'était tout en travers dans l'ancien bouchon, eh bien, du coup, la circulation se faisait mal. Donc, ça montait en pression. Voilà. Donc, en fait, il y a le clapet de décharge, mais dedans, il y a quand même un système de circulation. Donc, j'ai découpé l'autre et je te montrerai. Donc, là, c'est l'ancien bouchon. Là. Toi, tout bouge dedans. Ça, c'est déjà peut-être pas normal. En fait, ça tenait en travers. Alors voilà comment c'est foutu. Donc là, tu as le clapet de décharge. Et tu as celui de circulation qui est là. Et du coup, vu qu'il y avait le ressort qui était pété, tu as celui-là qui était en travers, qui évitait le passage de l'eau. Voilà, et tu vois bien, il y a les deux fonctions. Décharge au-dessus, passage de l'eau en bas.